Nous fêtions la 180e rentrée académique de l'Université libre de Bruxelles. Une rentrée académique, c'est une cérémonie d'abord, avec un certain rituel. C'est l'occasion de faire un point sur l'année. Aujourd'hui, nous avons décidé d'honorer des figures d'intellectuels qui se sont engagés dans la société. Robert Badinter en tant que ministre pour abolir la peine de mort en 1981. Et puis Elisabeth Badinter dans son combat pour l'égalité de tous les citoyens, des femmes, des homosexuels. C'est une véritable joie que d'être ici, de recevoir avec Elisabeth Doctora Honoris Causa. Et c'est pour nous le sentiment de cette pensée des Lumières qui nous est si chère et qui rayonne à Bruxelles. Un choix de Docteur Honoris Causa n'est jamais innocent pour une université. Elle veut d'abord honorer la science. Et Robert et Elisabeth Badinter sont deux grands scientifiques. Quand vous avez entendu tout à l'heure le recteur, vous avez mesuré ce qu'est l'attachement profond d'un établissement comme celui-ci à la philosophie des Lumières et aux valeurs qui sont les valeurs européennes. Une rentrée académique, c'est une fête pour célébrer aussi, il faut bien le dire, le travail. Alors maintenant, au boulot.